Coucou mes petits cœurs! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réalisation. Alors, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai réalisé un notebook avec vous qui a apparemment bien plu et effectivement, moi en tout cas, je l'adore. Il est vraiment magnifique avec la femme araignée. Hein. Donc, je vous avais dit que j'avais un autre notebook de la même collection et en tout cas de la même boutique qui m'avait aussi été offert pour mon anniversaire de la part de Christine. Et du coup, bah, j'ai décidé de le faire à la suite parce que vraiment le premier, je le trouve tellement beau que j'ai envie de faire le deuxième aussi avec vous. Alors, donc le deuxième, c'est un loup. Il est juste magnifique. Donc, vous voyez, il est également présenté dans le même carton. Hein. C'est vraiment très bien. Je trouve que ça protège énormément. Et franchement, ça donne un aspect de qualité. Vraiment, il faut que j'aille faire un petit tour sur cette boutique parce que je trouve que c'est vraiment bien présenté. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, donc, à l'intérieur, donc ça doit être présenté comme la femme araignée, hein, je pense. Hop, alors... Hop là. Donc, bien sûr, sur la boîte, vous avez toutes les explications, le modèle, le nom. Donc, le nom de celui-là, c'est Lunar Wolf. Donc, c'est le loup, loup-lune. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez bien, effectivement, donc, le papier avec le descriptif de ce que vous avez dans votre boîte. Et puis derrière, bah, comment fonctionne le diamond painting, hein, du carnet en tout cas. Ensuite, ah, donc là j'ai une petite feuille de route que je n'avais pas par contre sur la femme araignée. Hop, voilà, donc génial. Franchement, il est vraiment super beau. Hop, ensuite donc tout le kit de base, stylet colle barquette et des petits sachets zip, ça vous savez maintenant que j'adore pour pouvoir ranger mes restants de diamants. Ensuite donc bien sûr on a les diamants. Alors qu'est-ce qu'on a? J'en vois des super jolis. Je pense que ça va être un régal vraiment comme le précédent. Alors, en diamant, j'adore, vous avez des petites étoiles transparentes, vous avez des diamants en forme d'amande, donc transparents également. Ensuite, vous avez des diamants basiques ronds, donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 gris différents, même 5, voilà, il y en a un encore plus clair, donc 1, 2, 3, 4, 5. On en a ensuite des transparents, un petit peu grisés, donc cristaux, des verts, et ceux-là, alors, ceux-là, ils sont dans les tons bleus. On ne voit pas beaucoup à la caméra, un petit peu, pas beaucoup. Donc voilà pour les diamants. Et donc, le notebook, et qui est vraiment... comme je vous l'ai dit la dernière fois, super bonne qualité. Réponds deux secondes. Excusez-moi. Donc, superbe qualité. Donc, un superbe carnet avec la poche, vraiment la couverture en cuir, hein, comme la dernière fois. La même marque. Lignée. Et avec toujours le fameux marque-page. Voilà, et bien écoutez, je prépare tout ça et puis on va le faire ensemble. Recoucou! Et bien oui, me revoilà. Donc du coup, je vais vous expliquer. Il m'est encore arrivé un truc incroyable, franchement, il m'arrive toujours de ces choses. Donc du coup, ben, j'avais prévu de vous faire la réalisation du carnet en vidéo. Ce que j'ai commencé, j'ai fait plus d'une heure de vidéo et malheureusement, donc, mon stockage était arrivé à saturation, en fait, tout simplement. Sauf que d'habitude, bah, quand ça arrive à saturation,
ça coupe le tournage de la vidéo, mais ma vidéo s'arrête, mais est toujours là. Sauf que là, bah, quand j'ai voulu décharger ma vidéo sur mon ordinateur, et ben, comme par magie, ma vidéo en fait a disparu, ça ne me l'a pas enregistrée. Donc du coup, et ben, vu que j'avais déjà fait la moitié du carnet, j'ai dit bon bah c'est pas la peine de tourner une réalisation pour juste la moitié du carnet. Donc je l'ai fait hors vidéo et puis bah du coup je vais vous montrer le résultat final directement. Tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, donc hop, le voici terminé. Et franchement, il est juste magnifique. J'adore. Donc voilà, quand on aime les loups, hein, on peut le trouver que beau. J'adore, avec les yeux bleus, il est juste magnifique. Donc voilà, j'ai adoré les strass en forme d'étoile. Là, c'est vraiment super joli. Donc bah, écoutez, donc, un réel plaisir à faire. Hein, comme l'autre notebook que j'ai fait, donc la femme araignée, ça a été un réel plaisir autant que la femme araignée. Hein, celui-là, c'est pareil hein, parce que franchement, c'est la même qualité. Donc, hop, comme je vous l'avais dit pour la femme araignée, donc la marque en fait, c'est Craft Buddy. Donc, Craft Buddy Crystal Art Kit. Et franchement, en tout cas au niveau des notebooks, je ne peux pas vous dire pour le reste parce que c'est la première fois que je testais des articles de cette boutique. Mais en tout cas, les notebooks, ils sont vraiment trop bien. Ils sont super agréables à faire. Et comme je vous dis, cette couverture super épaisse, j'adore. En plus, hop, donc les deux, hein, c'est des notebooks avec ligne, hein, donc j'adore, avec toujours, bah, pareil, le marque-page intégré, donc franchement, c'est génial. Et donc dans celui-là, j'avais une petite feuille de route, en fait, que je n'avais pas dans l'autre notebook, donc je sais pas, est-ce qu'il l'a manqué dans l'autre, ou est-ce qu'il la mettent pas dans tous les notebooks, je sais pas du tout, mais en tout cas, franchement, j'adore. J'espère que j'aurai l'occasion de tester d'autres articles de leur boutique parce que ça a vraiment été vraiment vraiment un réel plaisir de faire ces deux carnets quoi. Donc bah écoutez, on verra bien hein. En tout cas bah merci encore une fois Christine parce que bah du coup c'est grâce à toi que j'ai pu connaître cette marque et franchement et ben c'est du top, c'est vraiment du top, tu pouvais pas trouver mieux là ça me fait vraiment chaud au cœur parce que t'as vraiment choisi des articles d'une qualité mais extrême, donc franchement je te remercie encore énormément, je te fais des gros bisous ma Christine, je sais que tu regardes mes vidéos, donc voilà, je te fais passer ce petit message. Et puis bah écoutez, si vous avez l'occasion de commander sur cette boutique, n'hésitez pas parce que en tout cas pour les notebooks, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment une superbe qualité. Donc je vous remarque et je vous remontre le nom. Hop, je vais vous le montrer de l'intérieur parce que c'est plus facile à voir à la caméra. Donc voilà, Craft Buddy, DIY, Crystal Art Kit. Et franchement, bah, moi j'ai adoré que ça soit la présentation dans la petite boîte cartonnée, la réalisation, ça colle super bien, la couverture, c'est vraiment une super qualité, ils sont lignés, donc quand vous aimez pas ne pas avoir de lignes dans vos carnets, bah, là ils ont les lignes, donc c'est vraiment génial, du top du top. Voilà, je vais pas en dire plus, je pense que vous voyez mon contentement, franchement, c'est vraiment au top. Voilà, bon, bah tant pis, en tout cas, je ne l'aurais pas réalisé avec vous, mais au moins, je peux vous montrer le produit fini et puis vous donner mon avis sur cette marque parce que franchement, moi j'adore, il n'y a rien à dire. Eh bah, bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bisous, bisous mes petits cœurs.